Je vais vous parler maintenant des projets de naissance. Qu'est-ce que c'est un projet de naissance? Donc ça concerne un couple ou une femme qui va écrire sur un papier ou sur format informatique tout ce qui lui paraît important pour la grossesse éventuellement, mais aussi surtout pour le travail et l'arrivée de son bébé. Ça paraît quelque chose d'un peu banal, en même temps c'est très important. Peut-être que vous vous imaginez que le personnel soignant qui sera là pour s'occuper de vous le jour de l'accouchement va faire le mieux qu'il peut ou va faire ce qui paraît bien. C'est vrai. Et en même temps, ce qui paraît bien aux professionnels de santé, c'est pas forcément ce qui va être bien pour vous, puisqu'on est tous différents et qu'on peut avoir besoin de choses différentes ou en tout cas vivre les choses différemment. Et donc, pour pallier à ça, ça va être une bonne chose, surtout dans ce contexte actuel avec le coronavirus où le personnel de santé peut être un peu en surcharge, peut être parfois un petit peu embêté avec toutes ces mesures qui sont à prendre. Ça va être un bon moyen de les aider à vous aider, de pouvoir résumer sur un papier tout ce qui est important pour vous. Et ce qui est important pour vous, ça peut être différent pour chacun. C'est pour ça que le personnel de santé ne peut pas le deviner. Et actuellement, dans les maternités, on ne connaît pas généralement la personne qui va s'occuper de nous pour l'accouchement. Donc, vraiment, je le redis, c'est une bonne façon d'aider à faire connaissance avec le personnel de santé qui s'occupera de vous pour l'accouchement. Et comme ça, vous lui faciliterez la tâche pour que votre accouchement se passe au mieux par rapport à vos souhaits. Ces souhaits par rapport au projet de naissance, on se dit que c'est quelque chose de relativement simple et qui va pouvoir être mis en œuvre à partir du moment où la mère et le bébé sont en bonne santé. On se dit qu'à partir du moment où la mère et le bébé sont en bonne santé, la femme a toute la capacité à sentir ce qui va être bon pour elle et pour son bébé et ce qui va aider l'accouchement à se passer bien. Voilà pourquoi c'est intéressant de remplir ce projet de naissance.